Dieu soit béni. À toi toute la gloire. Que Dieu soit béni. Bonjour. Voilà, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mani, Dieu te bendiga, Mani, mi tia. Esperando que estéis todos bien, dando gracias al Señor. Bonjour Giovanni. Buenos días. Voilà, je fais un petit direct. Je voudrais partager un mot de Dieu. Partager un mot de Dieu. J'étais chez moi. Je regardais un petit peu et voilà, il m'a semblé bon de partager un moment avec vous. Voilà, il y a des frères qui m'envoient des messages, frères qui me demandent. Et voilà, il m'a semblé bon de partager un moment avec vous. Donc je voudrais partager un sujet qui est important, dans lequel j'ai apporté déjà ces quelques notes il y a quelques jours de cela derrière. Mais ce sont des notes qui m'ont imprégné et que je voudrais partager avec vous cet après-midi. Peut-être que je vous prendrai 10 minutes. Peut-être un peu plus. On va essayer de voir un texte dans la parole de Dieu que vous avez déjà l'habitude, que vous avez déjà entendu prêcher peut-être plusieurs fois dessus. Mais j'ai relevé trois points dessus qui sont merveilleux. Et je voudrais vous parler, moi, cet après-midi, sur la sentinelle. Popov, Dios te bendiga. Boba, Dios te bendiga. Samuel, amigo mío, Dios te bendiga. Sí, Mani, todos bien, dando gracias al Señor. Dios te bendiga, Mani. Je voudrais vous parler cet après-midi sur la sentinelle. Sur la sentinelle. Alors, la sentinelle, c'est vrai que la sentinelle, ça concerne les serviteurs de Dieu. Nous devons veiller sur le troupeau que Dieu nous a confié. Mais moi, je voudrais prêcher ce texte cet après-midi, d'Habacuc chapitre 2, qui est question de la sentinelle. Mais je voudrais vous dire, comme de la même façon que je l'ai dit dimanche dernier, quand j'ai prêché à l'église de Montauban, j'avais apporté ces quelques notes, et j'avais dit que chaque chef de foyer, c'est-à-dire chaque père, est une sentinelle. Amen, Popov. Dieu te bendiga, Popov. Et avant tout, je voudrais prier le Seigneur. Avant de lire un texte de la parole de Dieu, lire un texte. Je voudrais prier le Seigneur. Voilà, Seigneur, je te glorifie. Je t'exalte, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour tout. Parce que tu me permets, Seigneur, d'être là. Tu me permets, Seigneur, de te louer, de te glorifier. Tu me permets, Seigneur, de pouvoir partager ce moment, Seigneur, avec mes frères et avec mes sœurs. Seigneur, mon but, Seigneur,
c'est de faire du bien et de s'exhorter les uns et les autres, Seigneur, par le moyen de ta parole. Donne-nous, Seigneur, à comprendre. Donne-nous de l'intelligence, Seigneur, pour comprendre et à discerner, Seigneur, toutes les attaques de l'ennemi. Et nous voulons, Seigneur, oui, que le Saint-Esprit nous fasse comprendre, au nom de Jésus, ce qu'on doit comprendre. Donne-nous, Seigneur, avoir l'oreille du disciple. Donne-nous être attentifs à ta parole, Seigneur. Oui, Père, merci pour tout. À ton nom soit la gloire, Seigneur. Te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui partent par le découragement, pour tous les malades, Seigneur, ainsi que pour mon Père. Je te le présente, Père. Et au nom de Jésus, pour favor, Seigneur, étends tes mains d'amour. Seigneur, guéris les malades, Seigneur. Restaure, Seigneur, tout ce que l'ennemi a détruit. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Je voudrais, alors, bien sûr, à la demande de quelques frères, je voudrais partager ces quelques notes avec vous. Ces trois points sur un texte, mais qui est d'une très très grande importance. Et pour cela, on fait cette lecture même dans le livre du prophète Habacuc au chapitre 2. Écoutez ce que dit le prophète. Il dira ainsi: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Écoutez, s'il vous plaît, c'est très très important. Il dit, le prophète parle, il dit: je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc je voudrais relever, avant de rentrer dans les trois points, relever, voyez, que pour entendre la voix de l'Éternel, eh bien, il faut se tenir à son poste. Permettez-moi de vous dire, amen, que l'Éternel parle. C'est bien souvent nous qu'on n'écoute pas. Et pour écouter la voix de Dieu, il faut se tenir à notre poste. Personne qui veut que Dieu leur parle et ils sont du matin au soir en train de regarder la télévision ou en train de parler de tout et de rien. Et ils veulent que Dieu leur parle. Vous voyez, le prophète Habacuc disait, il dit: je me tenais à mon poste et je veillais. Pour quoi faire? Il dit: pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc Dieu, amen, continue à parler. C'est à nous, amen, à écouter et à nous tenir à notre poste. Que Dieu soit béni. Voyez-vous, la sentinelle, car c'est ce qu'était le prophète Habacuc, là, dans ce texte-là. Il était cette sentinelle, il était à son poste. Et la sentinelle, alors on sait qu'est-ce que c'est une sentinelle. Une sentinelle, c'était quelqu'un qui se tenait dans le haut d'une tour de garde, et il veillait. Il veillait pour, mais bien sûr, là il est écrit pour voir, pour entendre ce que l'Éternel me dirait, mais on sait qu'une sentinelle était là pour veiller, pour voir le danger qui venait de loin. Donc c'était ça une sentinelle. Et moi j'ai marqué là, voyez-vous, sur ma feuille, j'ai marqué trois points. J'ai marqué: la sentinelle avait trois fonctions. Numéro un, elle devait veiller sur le danger de l'extérieur. Numéro deux, elle devait veiller sur le danger de l'intérieur. Numéro 3, il fallait qu'elle veille sur elle-même, qu'elle ne soit pas en danger pour les siennes. Donc je répète,
trois points très importants sur la sentinelle. Numéro un, la sentinelle devait veiller sur le danger qui vient de l'extérieur. Numéro deux, il fallait que la sentinelle veille sur le danger qui ne vienne pas de l'intérieur. Numéro trois, il fallait que la sentinelle veille sur elle-même, qu'elle ne devienne pas un danger pour les siens. Et il y a un passage merveilleux qui correspond à ce que je suis en train de vous dire, et c'est avec ce grand homme de Dieu, Élisée. Élisée, vous lisez ceci dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5 et chapitre 6, vous verrez, vous tomberez sur l'histoire que je vais vous relater. Et bien pour ce premier point, ce de la sentinelle, il fallait qu'elle veille sur le danger qui vient de l'extérieur. À un certain moment, il y avait les Syriens qui voulaient attaquer Israël. Et ils avaient comploté entre eux, bien sûr, l'armée de Syrie. Et ils disaient, voilà, il va falloir qu'on attaque Israël de tel et tel côté. Mais la parole de Dieu déclare, amen, que l'homme de Dieu, Élisée, Dieu lui montrait là où l'ennemi devait venir attaquer le pays d'Israël. Donc Élisée allait voir le roi et il lui disait, voilà, mettez-vous ici parce que l'ennemi va attaquer par tel endroit. Et la parole de Dieu déclare que quand les Syriens venaient attaquer par tel et tel endroit, bien, il y avait l'armée d'Israël qui était là et qu'ils attendaient leur adversaire. Donc l'armée de Syrie, bien sûr, repartait chez eux. Et une autre fois, entre eux, bien sûr, ils formaient un plan d'attaque. Et ils disaient, bon, il faut qu'on l'attaque de tel et tel côté. Et une fois qu'ils allaient attaquer de tel et tel côté, bien sûr, l'homme de Dieu, Dieu lui révélait là où l'armée de Syrie allait attaquer. Donc l'homme de Dieu, Élisée, bien sûr, allait voir, bien sûr, le roi d'Israël. Et lui disait, attention, parce que l'ennemi, les Syriens, vont attaquer de tel et tel et tel endroit. Et bien sûr, quand l'armée de Syrie allait s'introduire pour attaquer Israël, l'armée d'Israël les attendait plus qu'ils étaient avertis par l'homme de Dieu. Voyez-vous, les prophètes dans l'Ancien Testament, on les appelait aussi les voyants. Les voyants, hein. C'était pas des visionnaires, mais c'était des hommes, même des voyants, parce que Dieu leur montrait, ils avaient la vision. Dieu leur montrait la vision, que Dieu soit béni. Alors voyez-vous, cet homme de Dieu, cet Élisée, il était réellement cette sentinelle. Il remplissait le premier point. Il veillait sur le danger qui venait de l'extérieur attaquer l'intérieur. Amen. Voyez-vous, il était réellement cette sentinelle. Comme il était sur la tour, alors il veillait ce que Dieu lui disait. Amen. Et comme Dieu lui révélait, il avait la révélation, amen, qui lui disait, attention, parce que l'adversaire va attaquer de tel et tel endroit, il va s'introduire par tel chemin. Alors l'homme de Dieu, amen, veillait et il faisait attention au danger qui venait de l'extérieur attaquer l'intérieur. Amen. Que Dieu soit béni. Premier point, le danger qui vient de l'extérieur attaquer l'intérieur. Donc Élisée, amen, il était cette sentinelle, il avait la vision. Deuxième point, la sentinelle devait veiller sur le danger qui venait de l'intérieur, non plus de l'extérieur, mais la sentinelle devait veiller sur le danger qui venait de l'intérieur. Et là, j'essaye de raccourcir parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais j'essaye de vous donner ces trois points dans un court condensé. J'essaye vraiment de compresser, hein, ce message. Donc le danger qui venait de l'intérieur. Certainement, vous connaissez cette histoire-là qui est très, 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 très connue au milieu de nos assemblées, avec l'histoire de ce général, Naaman, mais que l'Éternel, bien sûr, avait béni, qu'il avait guéri à travers, bien sûr, le mot de Dieu, à travers l'homme de Dieu qui était Élisée, qui lui avait donné l'homme, qui lui avait donné rien d'autre que le mot de Dieu, va te tremper sept fois dans le Jourdain et ta peau reviendra comme la peau d'un nourrisson. Et c'est ce qui s'est passé. Naaman a obéi parce que la bénédiction, elle s'obtient à travers l'obéissance. Il y a beaucoup de personnes qui sacrifient. Et Dieu préfère l'obéissance que le sacrifice.
parce que pour celui qui veut vraiment comprendre, je le laisse en survol, d'accord? Parce que je sais qu'il y a des hommes qui sont assis dans la parole de Dieu, qui sont en train de m'écouter, ou peut-être qui réécouteront dans un prochain jour, écoutez bien, car le réel sacrifice qui coûte, c'est l'obéissance. Parce que sacrifier quelque chose qui ne nous coûte pas, vous savez, mettre un petit billet dans la corbeille, à certains ça coûte, à d'autres ça ne coûte pas, mais le réel sacrifice qui nous coûte vraiment, c'est amener tout notre être à l'obéissance à la parole. Ça, c'est un sacrifice qui coûte. Alors, voyez-vous, Naaman, ça ne lui coûtait pas d'offrir quelques talents et quelques habits de rechange. Mais par contre, amener sa personnalité à l'obéissance de l'homme de Dieu, à ce que Élisée lui disait, cela, ça lui coûtait. À un tel point qu'il repartait sans lui avoir obéi. Il a fallu qu'on le lui reprenne en disant, « Tant qu'il t'aurait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait ?» Mais à plus forte raison, un certain moment, il obéit. Et quand il obéit, alors il obtient la bénédiction. C'était une parenthèse. À un certain moment, quand la peau, bien sûr, de Naaman redevient comme la peau d'un jeune enfant, alors bien sûr, il est là, il est dans tous ses états, bien sûr, il voit vraiment que le véritable Dieu est le Dieu d'Israël. Et il repart. Il voulait offrir des présents, mais Élisée n'a pas voulu. Et quand il repart chez lui, à un certain moment, il y avait un homme qui était à côté d'Élisée, qui s'appelait Géasi. Géasi n'était pas un non-juif, Géasi n'était pas un Syrien. Géasi n'était pas un étranger. Géasi était le serviteur d'Élisée. Donc c'était quelqu'un d'interne, voyez-vous, c'était quelqu'un d'interne, quelqu'un de familier, c'était pas un étranger. Et la parole de Dieu nous déclare que, voyant que Géasi, que Élisée n'avait voulu aucun présent de Naaman, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru derrière Naaman et il lui a dit, voici, il y a ici quelques fils d'Ephraïm qui viennent, et donne pour eux, je te prie, quelques présents, quelques talents. Et la Bible dit que Naaman lui a donné, si ma mémoire est bonne, 2 talents d'argent et quelques habits de rechange. Et il a pris les présents et il les a cachés. Parole de Dieu déclare que Élisée, l'homme de Dieu, Dieu à travers Élisée bien sûr, parce que nous avons le Dieu de la deuxième chance, il savait le mal que Géasi avait fait. Il lui a dit, Géasi, où étais-tu? Voyez-vous, Dieu, à travers, bien sûr, Élisée, il voulait entendre de Géasi, eh bien oui, mon Seigneur, voilà, j'ai vu que Naaman est parti et voilà, je suis couru derrière, je lui ai pris quelques présents, j'ai menti un petit peu, mais voilà, c'est excuse-moi, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur, c'est ce qu'il aurait voulu entendre de Géasi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Géasi n'a pas pris l'opportunité que Dieu lui a donnée à travers la bouche d'Élisée quand il lui a dit « Où étais-tu? Où étais-tu ?» Il n'a pas su prendre l'opportunité. Mais il a voulu s'en sortir en conservant et en demeurant dans son mensonge. Il lui a dit, je ne suis point sorti de chez moi. Alors, l'homme de Dieu lui a dit, mon esprit, amen, que j'ai vu Naaman descendre de son char et te donner des présents. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Élisée lui a dit, est-ce le temps de prendre, d'acheter des oliviers, etc., etc. Écoutez bien la conséquence. Il lui a dit, la lèpre qui était sur Naaman sera sur toi et sur toute ta descendance. Et la Bible dit qu'à l'instant même, Géasi a été frappé d'une lèpre blanche. Et tu me diras, Isaac, tu me relates cette histoire, pourquoi? Écoute bien, s'il te plaît, c'est très important. Je t'ai dit que la sentinelle devait veiller sur trois points. Premier point, sur le danger qui venait de l'extérieur. Deuxième point, sur le danger qui venait de l'intérieur.
Et troisième point, que la sentinelle ne soit pas elle-même un danger pour les siens. Donc je vous ai dit que le premier point, Élisée a vu les Syriens qui voulaient attaquer l'intérieur d'Israël. Donc le premier point, on l'a vu, le danger qui venait de les attaquer l'extérieur à l'intérieur. Et là, on est dans le deuxième point, le danger qui vient de l'intérieur. Et Géasi était quelqu'un qui avait camouflé et qui avait menti. Mais comme c'est quelqu'un, comme c'était un proche d'Élisée. Donc Élisée aurait pu fermer les yeux parce que c'était un proche. Il aurait pu dire, bon, Géasi, t'as fait ceci, mais ne le refais plus. J'espère que personne ne t'a vu, parce que sinon notre témoignage va prendre un coup. J'espère que personne ne t'a vu. Faut plus que tu le refasses. Il aurait pu fermer les yeux. Mais Élisée, amen, était l'homme de Dieu, était l'homme qui se tenait sur sa tour. S'il était l'homme qui le veillait, et bien ça, qu'est-ce qui s'est passé? Amen, il n'a pas soldé le message. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas fait un moins 50% à Élisée parce que c'est un des siens, parce que c'est quelqu'un de la maison. Parce que Géasi, ce n'est pas un Syrien. Géasi, c'est quelqu'un de chez lui, c'est mon serviteur. Alors comme c'est mon serviteur, je vais faire un rabais de la parole de Dieu à moins 50%. Donc avec ceux de l'extérieur, je vais être très très rigide. Et parce que c'est un de l'intérieur, donc le message, je ne vais pas le solder. Non, non, permettez-moi que... Élisée n'a pas fait ça. Élisée a dit, Géasi, la lèpre qui était sur Naaman, elle sera sur toi et sur toute ta descendance. Il a veillé sur le danger qui est sorti de l'intérieur. Mes amis, il y a des personnes qui remplissent bien la première fonction de la sentinelle. Ils voient le danger venir de loin quand c'est un étranger. Il faut faire attention à un tel, il faut faire attention là-bas, il faut faire attention à ceci. C'est bien, gloire à Dieu, il faut veiller. Mais quel danger sort du milieu de chez nous? Alors là, certaines personnes sont plus souples. Quand c'est le fils qui apporte des choses qu'il ne faudrait pas apporter parce qu'il est inconverti, mais comme il est sous le toit d'un foyer chrétien, eh bien là, il y a des personnes qui ont tendance à fermer les yeux. Il y a tendance parce que c'est un des siens, ou alors parce que c'est mon cousin, ou c'est parce que c'est ma cousine, ou alors parce que c'est mon étudiant, ou alors parce que c'est ci, ou alors parce que c'est là. On a tendance à fermer les yeux. On est très très rigide avec ceux de l'extérieur, quand ça ne nous touche pas, quand le danger vient de l'extérieur, mais quand le danger vient de l'intérieur et que là ça touche nos entrailles, quand c'est quelqu'un de chez nous, là, on est plus souple. Mais permettez-moi de vous dire, mes amis, que nous devons être cette sentinelle qui doit veiller sur le danger de l'extérieur. On doit dire, attention, les Syriens attaquent de tel et tel. Ils vont venir par là. Il faut veiller, il faut faire attention. Mais quand le danger vient de l'intérieur, comme Élisée, que le danger est sorti, amen, d'un proche d'Élisée qui était Géasi. Et bien là, Élisée, amen, n'a pas soldé le message. Le message était le même. Il lui a dit, Géasi, la lèpre qui était sur Naaman sera sur toi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alléluia. Nous devons, amen, conserver la parole de Dieu. Tantôt, amen, elle doit sortir de notre vocabulaire avec la même véracité quand c'est de l'extérieur, mais quand c'est un de nos proches, amen, on doit pas solder le message. Il doit sortir avec la même véracité. Amen. Et ce qui est valable, amen, pour l'extérieur, est valable aussi pour l'intérieur, même quand ça nous touche, même quand il y a des larmes qui doivent couler. Peut-être qu'Élisée, peut-être qu'il a donné la sentence, peut-être en pleurant, je ne sais pas, ce n'est pas écrit. Peut-être que ça lui a coûté de donner la sentence, mais il a donné la sentence. Il n'a pas soldé le message. Que Dieu soit loué. Alors, je récapitule. La sentinelle devait veiller sur le danger de l'extérieur. 2. La sentinelle devait veiller sur le danger qui ne sorte pas de l'intérieur. 3. La sentinelle devait veiller sur elle-même, que elle-même ne devienne pas un danger pour les siens. Alors je récapitule et je prie le Seigneur. Il y aurait beaucoup de choses à dire, sincèrement beaucoup de choses à dire, mais
je suis obligé, amen, comment j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit un mot, enfin bref. Ah, le mot, je l'ai là, mais bon. Enfin bref, voilà, un mot, je suis obligé de restreindre, je suis vraiment de il faut que je coupe, je suis obligé. Parce que sinon, ça me prendrait trop de temps. Alors, le troisième point, rappelez-vous ce qui s'est passé à un certain moment. La Bible dit que il y avait l'armée de Syrie qui était là, autour d'Élysée, et le serviteur d'Élysée a dit à son maître, il dit, maître, regarde tout ce qu'il y a. Et la parole de Dieu déclare que l'homme de Dieu a dit, Seigneur, Élysée a dit, Seigneur, ouvre-y les yeux en parlant de son serviteur. La Bible dit que Dieu a ouvert les yeux à son serviteur d'Élysée. Et il a pu dire, maître, Seigneur, il dit, plus sont ceux qui sont avec nous que ceux qui sont contre. Et il a vu des chars avec des anges, alléluia, avec des paix flamboyantes. Et le texte dit, écoutez bien, qui était autour d'Élysée. Attendez, quand je lis ma Bible, il n'est pas écrit, amen, que les anges sont descendus entourer le pays d'Israël. Non, la Bible dit que les anges ont entouré Élysée. Parce que Dieu ne protège pas que les titres. Dieu protège les siens. Amen. Dieu ne protège pas seulement que ceux qui ont que le titre. Seigneur, protège tout Israël. Israël, Seigneur, c'est le titre, ça, Israël, ton peuple, protège-le. Oui, mais Dieu ne protège pas ceux qui ont seulement que le titre. La Bible dit que les anges ont entouré, lisez-le. 2 Rois 5-6, lisez-le chez vous. Il dit que les anges ont entouré Élysée. Non pas Israël, Élysée. Parce que Dieu protège, amen, non pas les titres, mais il protège les hommes et les femmes, qu'ils se tiennent devant lui. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Alors écoutez, parole de Dieu déclare, amen, que Dieu a frappé d'aveuglement l'armée de Syrie. Et pour couper au plus court, Israël a fait des captifs de l'armée de Syrie. Écoutez bien, s'il vous plaît, ce détail de la parole. Il dit que le roi d'Israël est allé voir l'homme de Dieu, Élysée. Et vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Écoutez, s'il vous plaît, c'est important. Le roi d'Israël est allé voir Élysée et il lui a dit, frapperai-je, mon père, frapperai-je? Que dois-je faire à ces Syriens qui ont voulu te faire du mal à toi? Car les Syriens n'ont pas voulu environner le roi d'Israël. Peut-être à la suite, ils auraient voulu. Mais là, dans ce premier temps, ils ont voulu détruire et anéantir l'homme de Dieu qui était Élysée. Ils ont entouré Élysée. Donc le roi d'Israël va avec Élysée, il lui dit, frapperai-je, en quelques mots, permettez-moi que je vous le donne avec mon langage à moi, ceux qui ont voulu te faire du mal, Élysée, ceux qui t'ont environné pour te tuer, Élysée, maintenant qu'ils sont prisonniers, qu'ils ont les mains liées, qu'est-ce que je fais? Vas-y, donne-moi un ordre, dis-moi un mot, et je les extermine, dis-moi qu'est-ce que je dois faire, et je les tue. Qu'est-ce qu'a dit Élysée? Élysée a dit, quoi? Frapperas-tu ceux que tu fais prisonniers? Il dit, donne-leur du pain et de l'eau et renvoie-les chez eux. Gloire à Dieu! Alléluia! Que Dieu soit béni! Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Donne-leur du pain, donne-leur de l'eau et renvoie-les chez eux. Amen. Pourquoi tu... Et avec ça, qu'est-ce que tu vas dire, Isaac? Permettez-moi de vous dire ce que peut-être, amen, tu as déjà entendu. Oui, je me répète. Permets-moi de te dire maintenant ce que peut-être tu as déjà entendu.
Car moi, je l'ai entendu ce que je vais te dire maintenant. Imaginez par exemple maintenant que le roi d'Israël aurait allé voir Élisée et lui aurait dit « Élisée, frapperai-je, qu'est-ce que je dois faire avec eux ?» Imaginez maintenant que Élisée aurait dit « Mais qu'est-ce que tu me dis à moi ? Moi je suis un prophète, je ne peux pas prendre une décision moi, je ne peux pas te dire de les tuer, je ne peux rien te dire, c'est toi le roi, fais ce que tu veux, je suis prophète moi. » Combien de personnes ont dit à certaines de eux, « Ah, moi je ne peux pas, j'ai les mains liées, je suis un pasteur. Si je n'aurais pas été pasteur, si je ne serais pas chrétien, moi je peux pas, je suis chrétien, je peux pas, je suis diacre, moi je peux pas, j'ai une fonction, moi je peux pas, je suis étudiant, moi je peux pas, je suis responsable, moi je peux pas, je suis femme de prédicateur, je suis chrétien, moi je peux pas, je me suis baptisé il y a 3 mois, moi je peux pas, mais toi t'es pas chrétien, toi t'es pas un alléluia, toi, moi non, moi je peux pas. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ceux qui disent « moi, je peux pas », ça veut dire « eh bien, fais-le ».